Laisse-moi dire que c'était inutile le jeu, s'il te plaît. Hop. Rebonjour YouTube, on est reparti pour du Tiny Kin. On a fait la petite pause Picross imposée, hein. On était forcé par Quiche. Moi je vais vous laisser parce que autrement je vais utiliser 5 Go à plus, Fredo. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Gros bisous. Tiny Kin. Tiny Kin. Tac, Tiny Kin. Tu me laisses mettre Tiny Kin. Putain. On retourne sur Tiny Kin. Ouais. Ah. Cité de Sanctar. Le Saint-Nectaire, moi je dirais même. C'est rigolo. Oui, je ne t'oublie pas, t'inquiète pas. J'ai les 3 trucs qu'il faut. Viens avec moi, toi. Oui! On peut rentrer dans la petite télé pour débloquer la télé. Il a cassé ma boîte à images. Oh, c'est Drucker! C'est Michel Drucker! Il faut réparer la télé de Drucker. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a réparé la télé à Drucker. Vivement dimanche prochain. Je vais devenir fou. Je pense qu'il y a un petit peu plus de trucs en vrai dans une télé. Hein. Pas sûr, mais je pense qu'il y a un peu plus de trucs. Ah tiens, et mettre du savon sur la carte mère, c'est pas une bonne chose, je pense. Bordel, on peut pas redemander un Picross. Non. Oh merde, je suis tombé. Oh, j'ai chu. Et oui, c'est qu'un Picross par stream. J'étais venu sur le live juste pour ça. Désolé, pof. Il ne faut pas non plus trop casser le rythme. Je veux bien faire une pause Picross de temps en temps. Vas-y, je code un Twitch Play Picross MDR. Oh putain, j'ai envie de coder un Twitch Play Picross maintenant. Trop bonne idée. Ouais, ça peut être rigolo. Hein. Croquis d'un ange. Faut juste coder un Picross du coup. Oui, bah oui, globalement c'est un Picross qui interagit avec un truc Twitch. Pas si compliqué, je pense, mais. Même pas besoin de Remotion, hein. Tu fais de l'HTML tout pété, hein. Tu te fais un table. Table à la con, ça marche très bien. Hein. Après, le plus chiant, c'est de dessiner les Picross. Tu vas faire l'algo de génération de Picross. Un stream auto. Ah, ouais. Oui. Un peu bourrin, moi je pensais à genre animer le Twitch Play. Ah non, c'est vrai qu'il fallait que je passe par l'autre zone, fais chier, je me suis planté. Ah mais c'est une zone ça aussi. Bon, je reviendrai plus tard. Je crois que Ronflex l'a déjà fait avec des effets 3D chelous. Ah peut-être. Ronflex, on t'attend. Dis-nous si tu l'as déjà fait.
Et là, la chatière. Donc. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a fait spawn ici. Auteur de Fuliana, une jungle luxuriante et sauvage. Oh, c'est beau aussi. Oh, c'est chaud, non? Ah, oh, c'est chaud aussi, hein. C'est très très chaud, hein. Et pas chenapant. Ah, lol, MDR. XD, XPTDR. Personne ne passe. Au fond du grand vivarium. Ok. Camisole, du camisole au fond du vivarium. Trop gens. Oh, des verres, des nouveaux. Qui sert à quoi, je sais pas. Là-dessus, maintenir la gâchette de droite peut s'avérer utile. Ah, ça me construit une échelle pigée. Les godasses. Les mini bomberman. Alors maintenant je sais qu'il faut que je... Gérald. Ah, du courrier. Hop. Souvenez-vous qu'il y a du courrier ici, ça vous va? Faut que je trouve des tiny kin violets. Ah, il y en a bas. Faut des roses. C'est... Et bah, c'est très chun tiny kin, hein. J'aime vraiment bien. Comme ça, ok, pigé. Oui, ça nous fait des plateformes d'envol un peu plus utilisées. Je vais récupérer la lettre avant que je l'oublie. Tu viens avec moi, toi. Tu as vu la grande aventure jusqu'à ce que je trouve le courrier en... Ah oui, là si j'utilise ça, normalement je vois tout. Oui, je vois à peu près tout. Ok, pige. Oh non, j'ai loupé le nectar, non. Reviens ici, non. Merci. Maintenant je sais que c'est chiant qu'il faut tous les récupérer. Quoique j'avais pas dit que je... J'avais dit que je ne ferais pas le 100%. Ok, il y en a pas assez, chiant. Spoiler, c'est chiant. Ah, et ça, il va y avoir un fil de l'autre côté, c'est sûr à 100%. Hop, d'autres verres. Hop, là. Et j'ai plus de rose. Et j'ai plus de rouge non plus. Tantine chiant. Escargot, qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, d'accord, tu squattes très gros. Je me sens observé. Bah oui. Maison pour un espion de la capitale, vous pourriez essayer de dissimuler un peu mieux votre identité. Ouais, vie privée, t'inquiète, frérot. Moi aussi.
Quelle guerre? Ro-Eric, Eric Ro, Eric Ro, Ducro, Eric Ro. C'est un viewer Twitch quoi. Licarol. Crayon. Licarol crayon. Rune Jorelé. Bepsy. Leur spécialité ici, c'est la tisane. La camomille. Oui, ça rend Nigo, oui, t'inquiète. Ok, là il y a encore du rouge, on va faire péter les trucs, hein, j'annonce. Non, encore, là il y a du rouge aussi, hop, à moi. C'est bel et bien par zone. Hein. Hop. Il y a des rouges au milieu encore, à moi. Tiens, Falana, les montres sont un peu plus raisonnables. Ah. Ah oui, je peux construire une échelle moi-même en fait. C'est ça. Je choisis mon échelle. J'ai pas pu se borrer. Je choisis mon échelle. Ah, gros boom. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis sûr que... Ouais, ça, on l'est déjà dit. Attention, ma vieille, si vous aviez encore glissé, ne serait-ce qu'une seule tigette de cigu là-dedans, je ferai appeler la garde. Je sais pas ce que j'aime, je le prends. Bien, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font le... Comment je monte? Ah! Comment je monte? Comme ça? Hop. Je peux monter comme ça. Hop, boum! Plus de rose. Trop bien, je vais pouvoir ouvrir les portes. Quelque chose là-dedans, hein. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, frérot. Boum! Ça fait boum. Et ça fait bim, bam, boum. Et ça fait pchit, et ça fait vroom. Okay. Ah oui, là je peux ouvrir les portes. En fait, c'est des raccourcis, c'est cool, des raccourcis. Et je me cherche encore des boîtes aux lettres, c'est pas grave. Ah. Cette zone m'a l'air beaucoup plus petite que l'autre. Beaucoup plus petite que l'autre. Putain, j'arrive plus à... Non, je vais toucher le tol. C'est bon. Ah putain, mais c'est vrai que je peux balancer les panikins pour avoir... Ah, y en a là-bas, j'ai pas vu. On y retourne après. Hop, j'ai deux courriers, ce qui est très cool parce que j'aurais pas à tourner dans tout le niveau pour y retrouver. Hop là...
Ouais, je connais ça. Ah, oui. Et doucement, je vais arrêter de vous battre. Oh, un ennemi. Très gentil, ça, monsieur, le jeu, de me mettre un ennemi. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un qui était caché là-dedans. J'ai oublié qu'on n'avait pas l'eau. Glow, les œufs ont une odeur bizarre ce mois-ci, personne ne voudra en acheter avec ça. Problème avec l'eau. J'ai vu au-dessus, on peut fermer. Là, il y a plein de choses à l'extérieur, c'est pas grave, c'est bien. Voilà, papapapapam. Yes, j'en ai pile le bon nombre, trop bien. Je suis joie. C'est une pierre nasale. Ah oui, bah une deuxième. Un cap. Un pic. Et je suis tombé à l'eau. Ah non, même pas. C'est bon. Hop, comme ça on évite la fleur qui casse les couilles. J'ai une notif sur Discord. Je stresse. Qu'est-ce que c'est? Non, je tombe. Qu'est-ce qui m'arrive sur Discord? Discord, à moi. Tac. Ah oui, comme ça, ça se joue comme ça. Bon, j'ai pas mal de bordel hein, déjà. Hein. Avec moi. Hop, avec moi. Avec moi. Donc j'ai deux pattes d'un truc qui est intéressant, cette zone m'a l'air fouillée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on est bon. Connaissez-vous Canine? Eh oui, je connais Canine, c'est un bon toutou qui flippe pour rien. Mais c'est un bon toutou. Ça fait boum. Un petit chemin, on peut remonter. Oh, raccourci. J'en ai un, trop bien. On peut aller par là-bas et aller récupérer les petites gemmes que j'avais vues que j'ai pas récupérées. Je pense qu'on s'arrêtera vers 23h30. On va finir cette zone et peut-être après on s'arrêtera. Je verrai. Mais j'essaie de reprendre un rythme et de plus me coucher à pas d'heure. Parce que lundi, je reprends les cours et je reprends le boulot. Donc j'essaie de reprendre un rythme à peu près décent. Hop, on remonte là. Ah non, j'ai loupé tout plein de trucs. Ah bah oui, c'est où la zone où je vais. J'ai un loupé. Non. Hop. C'est encore une corde qui descend. Ah merde, non. Non, c'est bon. Je suis pas tombé. Je suis tombé. Qu'est-ce que tu veux? Gagne d'acheter 3 morceaux. Oui, je peux monter. Et ensuite faire youp, c'est blâme. Ok, c'est pour accéder au haut du bocal. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Moi je vais aller voir ce bocal là d'abord. Parce que
que je vois que c'est par là qu'est la clé en fait. C'est un truc qu'il nous faut. Boum boum. As-tu acheté ton cahier de texte? J'ai pas de cahier de texte, mais j'ai acheté des feuilles et un stylo. Donc j'ai fait mes courses de rentrée avec moi. Oh putain, j'ai une machine à pendre, j'avais oublié que ça, j'avais une machine à pendre, j'avais oublié. Fais chier. Je suis Soutex, souverain du désert, fuyez au lieutenant de mon courroux, ça va tracer votre misérable carcasse. Scoot, je te jure. Bois un coup. Et des roses, d'autres roses. Et surtout un trieur, alors. J'aimerais surtout ne pas me servir du trieur parce que je n'aime pas prendre mes cours sur papier. Parce que à chaque fois que je me sers de papier pour prendre mes cours, c'est un bordel. Donc j'aimerais bien pouvoir prendre mes cours uniquement sur PC. Faut encore que je trouve un bon logiciel de gestion de fichiers Markdown. Vu que je prends tous mes cours en Markdown par principe, hein. Enfin, parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Faut encore que je trouve un bon logiciel. J'avais vu un truc qui s'appelle Deep Down, mais il coûte 15 balles et. Je pense que je vais les mettre dedans. Enfin, je vais l'acheter, je pense, mais. Ah, il y a des trucs là-haut, je sais pas où. Milo, à cet endroit. J'en faut 900 et j'en ai. Pas beaucoup. Ouvre. Panique, panique, panique. Oh, il veut qu'on l'emmène. Ah, par là, ok, fiché. Hop. Ouais. Je suis très papier, mais je comprends la logique. Oui, mais c'est surtout que, ouais, en fait, le truc, c'est que. Papier, déjà j'ai du mal à écrire parce que j'écris trop peu, en fait j'écris presque plus, à part en partiel quoi. J'écris ouais très très peu, j'aime pas écrire en fait. Parce que j'ai une écriture de merde, j'arrive pas à me relire. Et en fait le Markdown ça marche très très bien pour moi, j'aime vraiment beaucoup le fonctionnement du Markdown et ça fait exactement en fait ce dont j'ai besoin et comment j'en ai besoin. Et je sais que sur PC en fait j'ai surtout la fonction recherche. Et j'arrive vachement mieux à m'organiser sur PC. Mais si, j'espère qu'on va pas nous obliger à prendre des cours sur papier. Mais j'en ai quand même. Au cas où. On va dire ça comme ça. Pardon, je réponds juste à des messages. Hein. Bah, j'ai pas encore trouvé la boîte aux lettres. Et du coup, ouais, demain soir, sûrement live Lego. Faut que je vois encore comment faire le setup, mais je pense que demain soir, ce sera Lego. Et samedi, si Chronoboss le bouge le der, ce sera live découverte Playdate. Samedi soir, samedi après, on va découvrir Taiji. Qui est un petit jeu indé, Steal the Whiteness en 2D, qui a l'air vraiment sympa. Qui sort demain aussi. Et pareil, je suis assez content parce que j'ai réussi à gratter une clé, donc je suis assez content. On va live dessus samedi. Du coup, on reste de revoir. Je suis sous les étoiles, d'accord, bah ta gueule. Saloperie. Ah, courrier. Eh mec, s'il te plaît, faut que tu m'aides. Les facteurs sont partis. Dans la brin, ils ont besoin d'aide des mains n'importe où en partir. Je suis obligé de tenir un guichet pour qu'elle se remarque ce qui se passe. Ok, je m'en occupe, frérot.
Vous d'accord en fait. La matriarche des mortes a dû te laisser passer, je commence déjà à oublier. Dépêche-toi, ok. Mais ouais, Deep Down, ça a l'air assez sympa, ça avait l'air vraiment de correspondre. Parce qu'en fait, pour le moment, je taffais avec Typora, qui est un petit logiciel qui est vraiment cool aussi. C'est la matriarche. Mon sœur est une matriarche, le cerveau demande aussi leur larme. Ok. Hop, tout ça c'est à moi. Il n'y a pas de truc au-dessus. En tout cas, pas par là. Hop là. Boum. Qu'est-ce qu'il dit ? Où les mantes étaient considérées comme des têtes pensantes de la maison, aujourd'hui impossible de trouver deux qui soient d'accord entre elles. Besoin de piment ou ma prochaine toile, mon gars. Simon. Ah bah oui, Simon, c'est. Et ça, Simon, c'est le. C'est le. Mec qui a fait toutes les illus. C'est encore une fois très cool qu'il planque des petits historiques comme ça avec les noms. Ça me fait vraiment marrer, j'aime vraiment bien. Hop, vous venez de Sanctuaire, servi d'un créature des ombres. Elles ont les yeux partout dans les murs, dans les machines, une urgence sinistre. Pas de quoi elle parle. Elle a l'air d'être logique dans leur tête, mais. Ouah, frérot, faut quand même aller sur Telegram. Hein. Faut que tu arrêtes d'aller sur Telegram ou sur les comptes Facebook obscurs qui te disent que le Covid a été créé par Bill Gates pour nous commercialiser le vaccin. J'en sais rien, du coup. Théorie du complot souvent aucun putain de sens. Donc ça, ce sera un raccourci que je débloquerai un peu plus tard. Hop, ça c'est cool. Et ben on va remonter. Ah, c'est bon, j'ai raccourci. On va aller au raccourci. Et je pense qu'on va finir Tinykin avant de passer à. Avant de repasser à Spiritfarer. Comme je suis dedans, on va essayer de le finir. Comme ça, je peux faire tout de suite un épisode de Capsule Pixel rapidement dessus. En fait. Je vous explique ma justification. J'essaye de. Comment dire ? En ce moment, j'essaye d'avoir des clés pour des jeux. Voilà. C'est con, mais ça me permet de jouer à des jeux qui m'intéressent sans avoir à les payer. Donc ça me permet de jouer à. De tester plus de jeux et donc produire du contenu en échange. Le site par lequel je passe pour avoir des clés s'appelle Keymailer, qui est un site qui permet de. Putain de merde. De mettre en relation des développeurs et des créateurs de contenu pour en gros les créateurs de contenu récupèrent des jeux et en échange ils s'étendent ils s'engagent voilà ils s'engagent à faire une à publier un contenu dessus contenu qui peut avoir différentes formes hein. Globalement moi la principale forme la plus simple c'est le live hein. C'est en partie pour ça qu'il me file des clés je pense. Et la deuxième, c'est... Oh, mais j'ai masse pognon. Enfin, j'ai masse... J'ai masse Tiny King rouge. Et j'aimerais bien qu'il m'en file aussi pour Capsule Pixel. Sauf que Capsule Pixel, c'est genre... plus long à travailler. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire des jeux... Enfin, de courir, de finir rapidement. Pas rapidement, mais j'essaie de finir des jeux. Comme ça, je peux faire des épisodes de Capsule Pixel dessus. Ah oui, c'est le portail dehors. Ok, je me disais qu'est-ce que c'est ce Bins. C'est le voisin qui rentre. Ok, ok. Voilà, donc là, j'ai demandé pas mal de clés à pas mal de trucs. Donc je pense que je ne les aurai clairement pas toutes. Hein. Parce que globalement, quand on m'en file, je suis assez content. Hein. C'est pas régulier qu'on m'en donne. Hein. Mais de temps en temps, on m'en file une et ça fait toujours très très plaisir. Parce que vraiment, ça permet de tester des jeux que, tu vois, Tiny King, j'y aurais joué forcément. Mais j'y aurais pas forcément joué tout de suite après la sortie.
Et globalement, c'est souvent les plus... Merde. Bon, ça va. Je voulais y aller aussi, donc ça va. C'est souvent les plus gros éditeurs. Enfin, les éditeurs moyens. Là, c'est Tiny Bull. Tiny Bull, en général, il file. Refury, ça dépend des moments. Les tout petits développeurs, ça dépend aussi. Ça dépend. En gros, c'est ça dépend. Mais j'ai jamais eu une clé de gros éditeur parce que bah, gros éditeur, il fonctionne bah, déjà soit par d'autres agences. Par exemple, Cult of the Lamb, j'avais essayé de gratter une clé. Compost. Chaque premier du mois sans être vu. Logiquement, je pense qu'il est trop grand et que vous le voyez pendant la journée. Ou... Hop. Ah oui, à la rentrée, il faudra aussi qu'on reprenne ça. Bah, je sais pas s'il est dans le chat. Je pense qu'il est plus là, mais... Il faudra qu'on reprenne les lives multi avec POF parce qu'on a, on avait fait We Were Here 2, on était à We Were Here 3 qu'il faudra qu'on se fasse. Merde. Oui, il est là. Ok. Il faudra qu'on se fasse les... Je suis plus là. Merde. Il est plus là. Il faudra qu'on continue les lives multi avec POF. J'attends de voir comment sera mon emploi du temps et on va sûrement se caser un jour régulier avec POF. On en discute... hors live. Moi globalement le jeudi je serai pas dispo parce que maintenant le jeudi je suis dans une nouvelle émission qui est là tous les jeudis dès 21h et on se fera sûrement un live régulier coop avec POF et je vais essayer de vous streamer quand même au moins 3 fois par semaine maintenant parce que je reprends du goût à stream et il y a des gens qui viennent. Ah oui, Mindtech, ouais c'est ça. Je vais tomber là. Je vais tomber, c'est sûr, je vais tomber. C'est bon, je suis pas tombé. Yes. Hop, à moi. Tous les jeudis, il est 21h. Non, mais je suis vraiment très honoré de recevoir... Enfin, on va m'engueuler si je dis très honoré, mais... Je suis très content de rejoindre cette émission. En gros, si vous connaissez pas, c'est une émission de... C'est un podcast qui parle de technique. Fait de la vulgate technique, en gros. Et que j'aime vraiment bien, et que j'avais été interviewé une ou deux fois, enfin, j'étais passé une ou deux fois dans l'émission, c'est des copains qui animent, et j'ai fait « Eh, vas-y, je peux venir ?» Ils ont fait « Ouais, d'accord, viens. » Donc je suis content. Je vois une bonne équipe. Elle est où la flore ? Max, elle est en haut. La maxi-flore ! Elle est où ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il faudra aussi que je m'occupe du coup d'Orga, parce que maintenant le sub goal a été passé, hein, donc on le fera. La journée de live parodie. La journée de live parodie d'émission télévision, enfin d'émission de radio. J'ai repéré des rochers. Ah oui, avec Mindtech. Bah, pas forcément avec eux. Marche cop. C'est marrant, ils m'ouvrent les trucs alors qu'en fait je les ai déjà eu quoi. Boum. Boum. Mais ouais, on verra quand je ferai ça. Je ferai ça peut-être fin octobre. Disons que je vais pas être le seul Ménette. Seul à rien. Je vais pour faire ça, mais je me débrouillerai pour avoir des invités avec moi. En gros, ce sera sûrement pas que des émissions où il n'y a que moi qui parle, parce que ce serait trop de préparation, je pense.
Mais l'idée, ouais, ce sera de faire des émissions avec des invités à chaque fois où on parlera... Merde, je suis tombé, encore une fois. Où on parodiera, ouais, des autres émissions. J'en ai déjà une ou deux en tête. J'en avais parlé à POF, donc j'en avais parlé d'émissions à POF dont je me souvenais plus. Donc je vous reparlerai sûrement de ça plus tard, mais voilà. Il faut que je vois aussi... pour lancer un autre podcast qui arrivera bientôt. Une fois que l'épisode sera... Merde. Une fois que l'épisode sera enregistré, j'irai voir un artiste pour passer une commis pour la cover. Faut que je trouve un artiste, parce que Miflu est pas du tout dispo. Donc faut que je trouve quelqu'un d'autre qui serait dispo et qui me coûte pas 300 balles pour une cover. Parce que j'ai pas forcément... J'ai plus forcément cet argent, hein, donc voilà. Un artiste qui a des prix un peu plus bas. Faudrait que je vois. Je suis suffisamment d'artistes sur Twitter pour en trouver un, je pense. Boum. On va descendre. Ah, another notif. What is notif Discord? Qu'est-ce que tu m'emmerdes, Discord? Qui me parle? Putain, mon téléphone bug de ouf. Ok, bah ça, on s'en fout pour l'instant. Je serai là un peu plus tard. Oui, on remonte. Désolé les gars, on redescend, on remonte. Mais ouais, cette année, objectif reprendre pas mal de streams. J'ai au moins un nouveau format de podcast qui va sortir, ça c'est sûr et certain. Avec une périodicité de sortie, ouais, c'est ça, une périodicité de sortie plutôt aléatoire, hein, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Les manettes de Proust, ça va continuer parce que bah, c'est mon podcast qui marche le mieux, en termes d'écoute. Donc bien sûr qu'il va continuer, faut que je continue de... Putain, c'est vrai que j'ai eux, je les ai oubliés, quoi. Je continue de trouver des invités et tout, mais voilà, ça arrivera. Là, il y a un épisode qui est sorti mercredi avec Buda et j'ai une ou deux idées d'invités. Faut que je vois s'ils sont chauds. J'en ai au moins un où je pense que ça ira. Que si j'arrive à l'avoir, c'est très cool. Et après, il y a comme d'hab toute la rédac de Gamekult que j'aimerais vraiment inviter. Rédac ou ex-rédac de Gamekult. J'ai pas vu son nom. Gifle, d'accord. On est en haut de la serre. Une enveloppe pour Bibi. On ressortira par là après, je pense. Donc on va déjà aller prendre le chemin, comme ça on est sûr d'avoir le... Les cristaux, bah non, on va rester en haut parce qu'il y a plein de trucs à collecter ici, plein de trucs à collecter là-bas. On va finir cette zone ce soir et ensuite on se quittera. Nous sommes les ossements de la créature préhistorique. On finira peut-être même pas cette zone ce soir, on verra en fonction de tout ça. De mon temps et fatigué surtout. Parce que comme dit, j'essaie de reprendre un rythme de vie un peu plus sain qu'avant. Enfin pas plus sain, mais c'est juste plus proche d'horaire normal. Même si techniquement les cours de ce que j'ai compris commencent assez tard, ce qui est très cool pour moi qui me lève. Qui suis plutôt un lève tard en général, même quand je me couche tôt, je me lève. Je suis plus le genre de personne à me coucher à minuit et me lever à... Regardez en bas. Morpheus. Morpheon. Oui, tu es très intelligent, frère. Yo, 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 yo.
J'espère que la bande son est dispo au moins sur Bandcamp, ce serait cool. Enfin, j'espère que la bande son est dispo surtout sur Bandcamp. Ah non ! Bon bah la chute et je décède. Comme ça je remonte en haut. Et si je décède pas, c'est chiant, je dois tout me retaper à la patte. Je sais pas pourquoi, vu les pics, j'ai l'impression que ça tue. Je sais pas pourquoi, vraiment juste comme ça. Un 10, je pense que ça tue. Pas grave, parce que je m'appréhende Robin des Ronces. Robin des Ronces. Oh bah 3 j'en ai, c'est bon ça. Elle est où? J'ai pas vu où elle était. Il l'a montré où elle était. Là jusqu'à la poutre opposée. Oui là-bas, je l'ai. 1, 2, 3. Boum. Un. Deux. Trois. Hop. À moi. Hop, du rouge. Comme ça, il nous file pour qu'on soit... Pour que ce soit sûr qu'on en ait assez. Ah, c'est cool, c'est bien foutu. Hop. C'est cool. On va juste aller voir là-bas parce que j'ai vu des trucs que j'ai pas encore fait. Globalement, là, je suis pas encore descendu, j'ai pas encore activé la le filin. Voilà ça. Et ça m'emmerde de pas avoir activé ce filin. Bah, j'ai toutes les lettres. Donc on va aller les redéposer. S'il y a un moyen de remonter facile. Parce que j'ai pas l'impression. Ah, si, ça va. On va les poser. Comme ça, c'est fait. Donc, toute cette zone là-haut est faite, hein, globalement. Tout là-haut, c'est fait. Non, pas là-bas. Hop, on va y aller. On va remonter après. Juste déposer le courrier. Hop. Oui, ça monte. Tout l'autre là. Je l'avais perdu en... On va remonter, on va finir les poutres. Hein. Ouais, là, trouvé. Je peux remonter facile ici. Oh putain, le lag. Non! C'était un succès, d'accord. Merde. Faut que je double tape plus vite.
trouve que ça va un peu à l'encontre des règles qu'on connaît pour les doubles sauts, parce que normalement les doubles sauts c'est poum. Là c'est pam. Il manque encore un truc de dino, je crois. Ouais. Oui, c'est cool, merci frérot. Ok, toi on peut pas t'emmerder. C'est cool, hein. Le dernier dino il est là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Aïe. C'est le perso qui explose quand on release, c'est vraiment très très splasher, je trouve. Hop. Merci frérot, ça c'est cool, on en a 4, c'est intéressant. Il nous manque les ossements. Et on en a presque tous, hein. Peut-être finir cette zone à 100%. Bon, on va juste, on finit cette zone à 100%, on remène le truc, on débloque la zone d'après. Et moi je vous laisserai... Microscope, rigolo. Mastriano, et si il est un géant comment? Bah c'est un géant, forcément c'est un gosse quoi. Non c'est un humain je pense. Un gosse ou un humain? Bah. Tic. Splam, j'ai vu une notif à gauche. Tiens, je me demande combien il y a de mécaniques de Tiny King différentes. De certaines personnes, dis donc. Gasper, bouh. Oui, encore une fois, c'est rigolo, bonne vanne. Possible qu'il soit lié à un succès, Gasper. Non, j'ai chu. Oh non, j'ai chu, ça m'a... je peux pas tricher. Mais j'ai le droit. Hop. Boum, 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 bam. Pet, 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 salut. Alors j'ai aussi un autre petit problème en ce moment, c'est un peu rigolo. J'ai acheté un truc sur Thoman cette semaine. Thoman, ceux qui ne connaissent pas, grande boutique de trucs de musique et d'audio et de scène en fait. Ah non, la chute, la chute. Tristesse, quelle déception. J'ai acheté un truc sur Thoman, donc c'est le casque que j'ai actuellement sur les oreilles, mon nouveau casque que je trouve très très cool, hein, soit dit en passant. Sauf que tiny problème, hein, comme on dit, en fait ils m'ont débité deux fois. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont débité deux fois, c'est qu'ils m'ont débité une fois, et il y a encore une opération en attente. Donc, alors que genre c'est vraiment la même deux fois, et ça me saoule, parce que j'aimerais bien que ça disparaisse, parce que genre, du coup, à ma banque, en gros, ils affichent directement la somme que j'ai, paiement en attente compris. Les paiements en carte bleue, ils apparaissent pas instantanément. Techniquement, ils s'effectuent pas instantanément. On va dire ça comme ça. Donc en fait, ma banque, elle affiche tout de suite le bon montant. Ce qui en soi est bien, parce que ça veut dire que ça affiche le montant que je suis censé avoir à la fin sur mon compte en banque. Mais sauf que là, ça me pète les couilles parce que, ce paiement il est pas censé être là deux fois, donc ça me saoule un peu. Hop. Ok, bon, ah, un truc d'ADN, tiens, rigolo. Savoir sculpter.
Et ça me fait aussi pas mal penser à... Ok. On manque juste quelques merdouilles à récup là, que j'ai pas récup encore là-haut. Je vais aller juste faire ça, comme ça c'est fait. On va changer de zone et on se quittera. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon racontage de vie sur mes problèmes avec Thoman. Après, il m'est arrivé une autre chose rigolote avec Thoman. En gros, j'avais deux comptes Thoman, un sur lequel je passais mes commandes et un avec mon ancien email. Enfin, l'un avec mon ancien email et l'autre avec ma nouvelle email. Sauf qu'en fait, sur mon compte sur lequel je passe des comptes, sur le compte sur lequel je passe des commandes, j'ai pris un... Oh non, je suis tombé. Merde. J'ai chu, chef. Sur le compte sur lequel je passe des commandes, voilà. J'ai mis la mauvaise adresse email. Donc en fait, il m'a changé le compte. Donc c'était un peu de la merde. C'était bizarre. Bref. On va bientôt s'arrêter. Je rends la quête. On va voir le musée. Et après, on se quittera. C'était plus compliqué que prévu, votre travail, Milodan. Oh, ça va, je trouvais la zone beaucoup plus courte que l'autre. Quoique, en fait, elle a duré la minute le même temps. Okay. On découvrira cette prochaine zone plus tard. Ah oui, là on voit les zones. Il y a 6 zones. On en a fait 2 sur 6. Donc je pense que ça va être 3 lives globalement. À vue de nez. Honneur brisé. L'honneur brisé, une plaque offerte à Ardewin en récompense d'action dans les en tout par un peuple inconnu. L'origine de sa de lui, mais tout pour survivre. On dirait un truc de Tintin. Ouais, badap, badap. Celle-là. Ouais, c'est un truc d'ADN. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que ça me rappelle aussi Monster Island, je crois, un truc comme ça, qui est un jeu de style Sokoban par une team qui a fait plein de jeux de puzzle ultra chill, dont A Good Snowman is Hard to Build, ce genre de choses. Et en fait, c'est un musée en sous forme d'île de savoir humain. Donc en fait, t'as des objets, ils essayent de deviner à quoi ça sert et c'est très très drôle, je trouve. Grand temple de Scratin, ok. Et encore ça, qui est un jouet, je crois. Dard d'acier provenant d'une époque antique, brutale, ne vous fait pas son apparence du temps. Ok. Et ben, on va se quitter là. Hop. On va sauvegarder ça. Vers une dose confirmée. Merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était très cool. Merci aux gens qui sont passés, c'était vraiment très agréable d'être en votre compagnie. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous demain après-midi. Donc j'ai écrit 3 heures dans le programme Twitch. Ce sera peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, mais globalement je pense que ce sera à peu près à cette heure-là, parce que demain je vais tenter de faire le voyage jusqu'à mon école et voir le temps que ça me prend pour estimer ça, et ensuite je reviendrai sûrement à pied, donc ça me prendra, voilà, histoire de calculer le temps qu'il me faut pour aller et revenir de l'école. Après, je dois aller récupérer le jeu Splatoon, donc c'est un peu loin, donc il faudra que j'y aille en bagnole. Mais voilà, bref, je vous raconte ma vie, demain j'aimerais bien ranger un peu quelques trucs, et peut-être vous écrire un épisode de Capsule Pixel, même si je ne pense pas, parce que j'ai pas du tout envie de rusher l'écriture. Et que ça me prendra bien 5 heures, et j'aurais pas envie de dépasser 5 heures à ça demain. Donc ça sera sûrement la semaine d'après qu'il y aura de nouveaux capsules pixels en fonction du temps que j'ai.
Mais voilà. Donc on se retrouve demain après-midi à 3h. Donc j'ai noté 3 à 6 pour Splatoon. On verra. Peut-être que je serai emporté pour en faire plus. On verra bien. Et le soir, soit du Splatoon si j'ai envie de streamer, soit du Lego peut-être. On verra bien. Suivez-moi sur Twitter. Toutes les infos seront là-bas. Des gros bisous. Salut tout le monde.